Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Petit tour chez Nose. On est dans le magasin qui se trouve à Saint-Souplet, dans le 77. Il y a un arrivage de dattes. C'est des dattes à 1 kg. C'est une variété égyptienne. Voilà, date d'Égypte à 3,49 € le kilo. De la marque Lindt, vous avez des chocolats, des œufs en chocolat. Il y a 500 grammes et c'est 3,59 €. Alors vous avez saveur d'un, vous avez ici chocolat au lait, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres variétés, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat avec des éclats de caramel. On continue avec des carambars et là il y a de la guimauve et c'est 2,45 €, il y a 400 grammes. Alors je vous montre, hein, quand je vous montre comme ça, c'est que voilà, il y a de la gélatine. S'il y a de la gélatine sans précision, c'est que c'est de la gélatine animale. Les amis, ils ont encore les chocolats pralinés. Je sais qu'il y a des filles qui l'ont testé, qui m'ont fait des retours sur Insta. Ils ont dit que c'était pas mauvais. Bon, c'est sucré. Hein. C'est sucré. 4,99 €, il y a un kilo. Vous avez des asperges vertes. Elles sont à 2,19 €. Et c'est... alors, 300 grammes. Voilà, c'est 540 grammes. 300 grammes, c'est le point net égoutté. Alors là, il y a un arrivage de boisson, c'est du thé glacé, citron, zéro sucre, 1,39 €. Il doit y avoir bien plus qu'un litre, je crois. 1,5 L. Du maïs en grains à 75 centimes. C'est un point net égoutté, hein, ça. Et c'est bio. Voilà. Vous avez ici des pâtes. Alors celles-ci, elles sont bio. C'est 500 grammes et c'est 1,75 €. Je trouve que le prix, il est raisonnable. Pour du bio, Picana, là c'est le pack, c'est 4 bouteilles de 1,5 L, c'est Tropicana tropical, donc 5 fruits, et c'est 9,29 €. Cornichon, 1,25 €. En plus, ça a l'air d'être une marque pas mal. Ensuite, vous avez le gros format, 2,39 €. Il y a des petites décorations encore pour les gâteaux, alors ça c'est plutôt sur le thème de Pâques, mais bon, regardez. Franchement, on ne voit pas vraiment les formes. 1,29 €. Vous avez des bonbons comme ça, acidulés. Je crois que c'est le carton. C'est le carton qui doit se vendre parce que ça ne se vend pas comme ça à l'unité. Et ça, c'est un carton ouvert. Donc voilà, je ne sais pas le prix. Haricots blancs cuisinés. Ils sont à 2,19 €. On a un arrivage ici de tortillas. Alors, je sais pas combien ils sont. Oh, c'est marrant cette marque là. 75 centimes. Pulpe de tomate. Des barres de chocolat. Enfin de céréales avec des pépites de chocolat. Il y en a 10. C'est la marque Lu. Et c'est 1,99 €. Les roulés ici sont à 99 centimes. Vous avez également à la vanille. Vous avez des noix de cajou non salées. Ceux-là, c'est la marque Bene Nuts. Alors la date où on me demande, 1er juin 2024, et ça c'est 2,99 €, je vous ai déjà donné le prix. Alors il y a des boissons, alors ça c'est quoi? Légumes au du soleil, et ça c'est 2,59 €. Des nouilles, 1,99 €. Allez, je vais continuer avec, ça c'est des échalotes, je ne sais pas combien elles étaient. Il y a 500 grammes, je crois. Il y avait le tri. Et je continue du côté des produits cosmétiques, produits d'entretien. Vous avez ici des odorisants. Ceux-là, ils sont à 1,49 €. Il y a plusieurs parfums. À la rose, 250 ml. Alors, je vous les avais montrés. Alors, je vous avais dit, hein, que c'était des vernis. Vous voyez, comment on appelle ça? Semi-permanent. Je pense que ça c'est du gel. Donc, il faut utiliser l'appareil, vous voyez, pour faire sécher. C'est 1,29 €. Les couleurs ont l'air pas mal. Hein. Regardez ce qu'il y a au niveau des couleurs. Et ça, c'est le gel. Ça, c'est un gel, c'est transparent. C'est la laque plutôt. 1,29 €. Alors, au niveau des couleurs, il ne reste plus grand-chose. Hein. Il y a ça, ça. Et puis c'est tout, je crois. Ça, c'est des brosses. Ça a l'air pas mal. Donc, il y a du plastique. Mais vous voyez, il y a des petits poils comme ça. Je sais pas ce que c'est comme poil. Et ça, c'est 1,49 €. Ça a l'air pas mal. Déjà, c'est un nettoyant au savon noir. Donc, ça doit dégraisser. En général, ça nettoie.
C'est 2,99€, c'est sous forme de spray. Donc savon noir, produit naturel qui ne contient ni colorant ni conservateur. Faire nettoyer, faire briller toutes les surfaces à la maison, mais aussi à l'extérieur comme les pierres et tout ça, le plastique, ça c'est pas mal. Voilà, 2,99€. Il reste encore ça, mais là il y a du que l'indice 30. Voilà, c'est Corinne de Femme, elle est à 2,99€. C'est une crème protectrice pour le visage. Ça c'est un rafraîchissant, enfin désodorisant pour les baskets, 1,99€. Là vous avez des miroirs avec des pieds là comme ça, vous avez ce modèle là, c'est 2,99€, c'est des miroirs grossissants. Regardez comment il se présente. Je t'en vais me dire, tiens, il y a une nouveauté. Non, c'est une crème que je vous avais déjà montrée, c'est une crème hydratante. Crème à 3,99€ hein, pour celles qui veulent avoir la composition. Alors on m'a demandé quelle application j'utilisais. J'utilise Insee Beauty et je compare avec Yuka. En fait, je fais les deux et je regarde. 1,79€, là, il y a des faux ongles. J'aime beaucoup la forme. Disque de coton démaquillant. Alors il y en a encore, hein. Regardez, il y a encore un carton derrière. Il y a 120 pièces à 99 centimes. Vous avez des brosses à dents en bambou. Elles sont vendues par 3. Et, non, par 3 ou à l'unité? Non, celle-ci c'est à l'unité, à 75 centimes. Je sais qu'ils en vendaient à un moment par 3. Des accessoires pour coiffure. Alors vous avez des serre-têtes, tout ça c'est 89 centimes. Brosse magique, enfin éponge magique plutôt. C'est 4 éponges, elles sont à 99 centimes. Les éponges magiques en fait c'est des éponges qui vont vous nettoyer et blanchir en fait, retirer les traces de stylo, les traces de stylo ou autres, hein, de salissure qu'il y a autour des poignées par exemple, autour des interrupteurs. Ça nettoie facilement. Les coups de crayon sur les meubles, pareil, ça c'est assez efficace. Là, elles sont vendues par 4, elles sont à 99 centimes, sinon vous les avez par 2. Ici, non pas là, ici par 2. Et par 2, elles sont à 50 centimes, 25 centimes l'éponge. Alors ça, c'est des chiffons de nettoyage, peuvent être utilisés humides ou sèches pour faire la vaisselle, essuyer ou simplement essuyer les liquides renversés. Rincer soigneusement après chaque utilisation et laisser sécher. Donc c'est réutilisable. Il y a 25 pièces et c'est 1,99€. Je les avais déjà achetés, c'est super efficace. Moi j'avais acheté en bambou et j'avais acheté couleur blanc. Alors je ne sais pas ce que c'est comme matière, mais en tout cas c'est super économique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des arrivages du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.